Hypnose de groupe. Aujourd'hui, nous allons faire une séance d'hallucination hypnotique. Le programme est de se transformer en oiseau et de voler dans le ciel et d'appeler d'autres oiseaux à se joindre à nous. L'intérêt, c'est que déjà, c'est fun. Et aussi, on essaiera de ramener ces sensations de bien-être, de liberté, de dépaysement, on essaiera de les ramener avec nous et d'en profiter pour les jours qui viennent. Tout d'abord, nous allons nous concentrer sur la respiration. J'inspire. Je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Je dois me concentrer sur ma respiration. Probablement que mon esprit, qui génère plusieurs milliers de pensées par jour, va tenter de me déconcentrer et va créer des pensées . Je les accueille avec bienveillance et je reviens à ma respiration. J'aspire. Je souffle. Je me concentre sur ma respiration. Je peux répéter cette phrase. J'inspire, je souffle. Vous pouvez utiliser tous les mots qui vous aident à vous concentrer sur votre respiration. Comme compter, comme vous dire, tout va bien, je peux faire un scan de mon corps. Qu'est-ce que je ressens? Si quelque chose est contracté, si quelque chose est douloureux, je dis à mon esprit, merci pour cette information. Je n'en ai plus besoin. Et je reviens à mon souffle. J'aspire. Je souffle. Je peux aussi prendre conscience des bruits qui m'entourent. Les bruits de la pièce. Le son de ma respiration. Je m'en détache
et je reviens à ma respiration. J'aspire. Je souffle. Lorsque vous vous sentez suffisamment apaisé, lorsque vous avez le sentiment d'avoir fait le silence, dans votre esprit, que vous êtes suffisamment détaché, de vos pensées du quotidien. Vous pouvez faire une pause et rouvrir les yeux. Maintenant que nous sommes suffisamment détachés et tranquilles, nous allons préparer notre expérience. Nous allons fixer un point et ne jamais le quitter. Tout en fixant ce point, nous allons prendre conscience de trois éléments qui sont dans notre champ visuel. Ensuite, tout en fixant ce point, nous allons nous concentrer sur trois sensations corporelles. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Ensuite, tout en fixant le point, je vais me concentrer sur trois éléments auditifs. Qu'est-ce que j'entends autour de moi, à l'intérieur de moi? Trois éléments. Ensuite, je peux fermer les yeux à tout instant, dès que je le souhaite. Et donc, à l'extérieur ou à l'intérieur, je visualise deux éléments qui sont dans mon champ visuel. Ensuite, je prends conscience de deux éléments que j'entends à l'intérieur ou à l'extérieur. Ensuite, je prends conscience de deux éléments que je ressens physiquement.
devient un élément visuel. Un élément auditif. Un élément ressenti. Et là, je me laisse partir. J'attache ma ceinture. Je redresse mon dossier. Je remonte la tablette. Je ne vous parle plus. Je parle à votre subconscient. Qui comprend mes métaphores. Et l'on va de plus en plus profond. On se met sur la piste. Et on descend en 5 points. 5. 4. De plus en plus et de mieux en mieux. 3. Je me prépare. 2. Quand je dirai maintenant, ce sera le décollage. 1. De plus en plus. Et maintenant, je prends mon envol. Je décolle du sol. Je sens l'air autour de moi. Je vois la terre qui s'éloigne. Je regarde le décor. Les couleurs. Je vois les images. Je ressens l'air et le vent. Je me sens battre des ailes. Et je monte de plus en plus. De plus en plus et de mieux en mieux. Je vois de plus en plus loin. Je peux voir le décor qui s'agrandit. Et je continue de monter de plus en plus. Et de mieux en mieux. Je regarde sur les côtés et je vois mes ailes. Comment sont mes ailes? De quelle couleur? De quelle taille? Je sens que l'air est plus froid, mais je me rapproche du soleil et je sens le rayonnement. Je suis maintenant plus près des nuages que du sol. Je décide de planer un peu. De faire quelques virages. Waouh, quelle sensation! Et
je reprends mon ascension. Je vais vers le soleil. Et je monte. J'atteins les nuages. Je passe à l'intérieur. Parfois, je suis au-dessus. C'est comme un tapis blanc avec le soleil. Le soleil rien que pour moi. Et parfois, il y a un espace entre les nuages. Et je vois la Terre. Qu'est-ce que je vois? Est-ce qu'il y a des villages? Est-ce que c'est une ville? Est-ce que ce sont des champs? Est-ce que j'ai quitté le pays et je suis maintenant au-dessus de la mer, peut-être du désert? C'est moi qui choisis. Et maintenant, je suis dans un vent qui me porte. Je plane complètement. Sans effort. Je plane et je me sens bien. Je vais d'un nuage à l'autre. Je sens le vent. Agréable. Parfois, je monte voir le soleil. Parfois, je passe à travers les nuages. Parfois, je regarde le décor qui défile là en bas. Puis, je décide d'appeler d'autres oiseaux qui volent dans le ciel comme moi. Je les appelle. Ils me répondent. Pour la première fois, je comprends leur langage. Je comprends ce qu'ils me disent et je peux leur parler. Ils se rapprochent de moi. Nous volons ensemble, en escadrille. Je regarde les oiseaux. Ils viennent voler avec moi. Je regarde leurs couleurs. Les gestes qu'ils font quand ils volent.
nous sommes tous portés par le courant. Et déjà, nous sommes loin, très loin. Nous nous sentons libres. Nous nous sentons parfaitement bien. Tous ensemble. Portés par le courant. Au milieu des nuages. En dessous, au-dessus, complètement libre, une fantastique expérience. En dessous de moi, plein de décors défilent. Je vois ce que j'ai envie de voir. Je laisse mon inconscient me guider vers les paysages les plus magnifiques. Je prolonge cette expérience aussi loin et aussi longtemps que je veux. Lorsque je reviendrai sur Terre, je ramènerai avec moi ce sentiment de liberté. Sentiment de voyage extraordinaire. Et aussi la connaissance, l'apprentissage que je peux générer ces pensées à tout moment. Je peux partir à tout moment, me sentir libre à tout moment. Et quand je le souhaite, je fais un très large demi-tour. Et j'amorce ma descente sans effort, en planer, et je regarde le décor qui se rapproche. Est-ce que je suis au bord de la mer, au-dessus d'une plage? Est-ce que je suis au-dessus de forêts ou de villes magnifiques? Je plane en descendant tranquillement, en conservant ce sentiment de liberté et de voyage sur commande. C'est à l'intérieur de moi, toujours disponible. Et quand je vais me poser, je vais ressentir dans mes jambes
le contact avec le sol. Je plierai les genoux pour amortir. Et je serai si heureux de cette expérience. Si heureux de savoir qu'elle est à l'intérieur de moi, que j'en ai cette capacité à tout moment. La capacité de voyager et d'être libre comme un oiseau dans le ciel. Je vais atterrir en comptant jusqu'à 5. 1, je me rapproche du sol tranquillement. 2, je choisis l'endroit qui me convient. 3, je pique et je prépare mon arrondi. 4, je plie les genoux. 5, je me pose et je replie mes ailes. 6, en ramenant avec moi ces états positifs que j'ai vécus, je vais revenir à mon quotidien et j'ouvrirai les yeux quand je le souhaiterai. 3, 2, je reviens et j'ouvre les yeux. Et je profite de mon expérience en gardant ce sentiment avec moi.